Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour, ou plutôt bonsoir. Je vous retrouve ici sur une des premières soirées éclairées de ce début mars pour vous présenter un dispositif un peu inédit, un peu nouveau sur le potager qui dit non. On va essayer de prendre un peu de hauteur et d'exploiter un peu les verticalités. Et alors, on a à cet effet-là installé ce futur mur, on l'espère en tout cas, mur végétal, à partir de tuteurs qu'on a récupérés, et puis d'une planche de palette. Hein, donc tout ça c'est de la récup, c'est du réemploi, quelque part tant mieux. Alors c'est la deuxième fois de ma carrière que je m'essaie à utiliser une machine pour visser sans assistance, sans personne pour m'aider. La première fois, c'était quand j'ai réalisé les planches là. Bon, ça s'est pas mal passé. Je ne suis pas blessé, tout va bien. Alors, pourquoi avoir fait ça exactement? En fait, on a planté ici au pied, voilà, deux variétés de mûres sans épines. Donc il y a Triple Crown et Asterina qui sont deux variétés auto-fertiles, très productives. Et l'idée, c'est de coloniser cet espace avec ces plantes-là qui ne fructifieront pas normalement cette année puisque la fructification a lieu sur le bois âgé d'un an. Bon, on verra peut-être ça un peu plus tard et puis la manière dont on va les tailler ensuite. Mais voilà, c'est un investissement. Je pense que dès l'année prochaine, on devrait, en principe, pouvoir récupérer quelques murs sur ce système-là. Et puis, comme selon les principes un peu permacole, on aime bien que les choses prennent plusieurs fonctions. Voilà, je suis venu installer un petit nichoir aussi. Bon, il est un peu bas quand même, il est juste à la hauteur, un peu plus haut ça aurait été mieux pour ces espèces-là, hein, puisqu'il s'adresse aux mésanges bleus en particulier, ce nichoir-là. Mais bon voilà, tant qu'à faire, autant aussi exploiter la structure pour accueillir ce nichoir. Je vous rappelle que les mésanges sont de grosses consommatrices de chenilles au moment de la nidification, du nourrissage des petits, et ça peut être intéressant d'héberger un couple de mésanges, pourquoi pas ici en proximité du potager, ou directement sur le potager d'ailleurs. Alors évidemment, à cette époque, bon, les mésanges visitent depuis longtemps, hein, au niveau des arbres, etc. Ce sera pas ça effectif cette année, c'est évident. Ça le sera peut-être même pas l'année prochaine, on verra bien. Hein. Mais en tout cas, pour cette année, c'est à peu près sûr que ce nichoir ne sera pas occupé. Mais mon idée, c'est que ces murs, voilà, puissent un petit peu aussi végétaliser cet endroit et puis noyer peut-être un peu le nichoir. On va essayer d'habiller un peu le nichoir, peut-être avec quelques rameaux de la ronce fruitière. Et puis, on verra à l'avenir si on a des chances que ça soit occupé ou pas. J'en profite peut-être aussi pour vous parler des tuteurs donc que j'ai récupérés. C'est vraiment, je délivre peut-être aussi un message à travers ça. Le tuteur est un dispositif provisoire. Beaucoup l'oublient. Souvent volontairement, je m'adresse aux entreprises du paysage, je vais pas me faire des amis là sur ce coup-là, mais malheureusement, et notamment sur les marchés publics, très souvent les lignes budgétaires apparaissent hein, dans les devis et puis dans les marchés pour que les arbres soient tuteurés et les tuteurs enlevés. Or ils le sont quasiment jamais. Ça cause de très très gros dégâts sur les arbres. Je vois parfois des résultats assez effroyables hein, parce que les colliers sont pas desserrés ou les tuteurs pas supprimés quoi. Donc voilà, retirez vos tuteurs, hein, les arbres ont besoin d'être soutenus les deux premières années, parfois trois années, ça dépend des contextes, pas plus. Après ça, il faut quand même qu'ils soient battus au vent. D'ailleurs, les techniques de tuteurage modernes pour des grands arbres hein, ont plutôt tendance à s'arrêter à cette hauteur-là, de manière à ce que la cime puisse battre au vent, libérer les auxines qui vont, les hormones qui vont activer et favoriser le bon ancrage de la plante dans le sol, au niveau racinaire. Voilà, donc je vous en prie surtout. Passer un certain temps, retirer ces tuteurs, ils ne servent plus à rien, ils deviennent même néfastes. Hein. Encore un petit mot peut-être au sujet des ronces fruitières qu'on a donc installées là. C'est pas par hasard si on a choisi d'installer ces plantes-là. Il se trouve que les rosacées, c'est Hervé Coves qui nous le dit, hein, les rosacées
cohabite évidemment avec de nombreuses mycorhizes, et il se trouve que ces mycorhizes sont parfaitement compatibles avec toutes les plantes qu'on va utiliser sur un potager, hein, toutes les plantes légumières. Donc c'est le cas donc de ces deux ronces fruitières, c'est le cas du fruitier qu'on a aussi là-bas derrière la serre, qui est en palmette. Voilà, ces plantes-là sont des rosacées, et à ce titre-là, ça m'intéresse énormément. Vous le savez, hein, j'essaie d'entretenir une relation étroite, privilégiée avec les champignons de notre sol. Eh bien, je pense que ces ronces seront intéressantes également à ce titre-là. Voilà. C'est tout pour ce soir, hein. Je voulais voilà vous montrer ça rapidement. Je reviendrai vers vous prochainement avec une petite vidéo consacrée à nos semis, avec une petite nouveauté pour cette année. On va pas du tout procéder de la même manière que l'année dernière, même si ça avait était plutôt satisfaisant. On va quand même travailler un peu autrement cette année. Je vous en parle très bientôt. Allez, ciao ciao.